Le message est un message pour le peuple congolais au Congo RDC. Peuple congolais, ce lundi, Martin Fayulu, le soldat du peuple, est convoqué par les hommes de UDPS. UDPS, FCC et PPRD. C'est eux qui font leur loi bidon au Congo RDC. Peuple congolais, Martin Fayulu est convoqué. Vous devez être tous debout dans tout le Congo RDC. Défendez la terre des ancêtres. Défendez cette terre pour les générations futures. La patrie ou la mort. La patrie ou la mort. Il faut que le Congo RDC sorte de l'esclavagisme. Il faut que le peuple congolais de la RDC soit libéré complètement de l'esclavagisme. Vous avez le droit, peuple congolais, d'être debout. Saisissez cette chance. Article 64. N'acceptez pas la tricherie. N'acceptez pas que vous devenez des esclaves de UDPS, des esclaves du FCC, des esclaves du PPRD. Refusez. Pour cela, tous vous devez occuper les chaque ruelle du Congo RDC pour revendiquer ce qui est droit. On a volé vos élections. On a volé vos urnes. Les urnes dont vous avez nommé votre vrai président, Martin Fayulu. Tous debout ce lundi pour ce grand homme qui a gagné aux élections. Tous debout pour Mafa. Vous devez être debout pour Mafa. Défendez la cause de cet homme, le soldat du peuple. Seul que lui qui s'est levé avec un cœur sincère, qui a parlé véridiquement au peuple congolais. Etienne Tshisekedi ne l'a jamais fait. Mais Martin Fayulu l'a fait en RDC. Il s'est levé. Et il s'est levé pour vous, le peuple congolais. Vous ne devrez pas accepter l'inacceptable. Ce lundi, 6 mai 2019, tous vous devez occuper toutes les ruelles du Congo RDC. Revendiquez vos droits. Les urnes qui ont été volées de l'élection présidentielle. Car UDPS, FCC et PPRD veulent faire de vous, peuple congolais, des moutons, des cochons, des poulets à égorger. L'occupation au Congo RDC est une occupation que vous devez dire non. La maltraitance qu'on vous a fait depuis au Congo, vous devez dire non. On vous a privé de tout. Vous n'avez pas du travail. Vous n'avez rien. On vous a maltraité. On vous a détruit parce que vous n'avez pas droit à la vie. Congolais de la RDC, debout, dites fini à l'esclavagisme, dites fini à la maltraitance. Défendez votre cause, défendez la cause de vos enfants, la majorité d'entre vous au Congo RDC. Vous n'avez pas travaillé durant toute votre vie.
Il y a des Congolais au Congo RDC. Depuis leur naissance et jusqu'à aujourd'hui qu'ils sont devenus des adultes. Vivent chez papa, vivent chez maman. Ils ont même eu une femme et des enfants qui vivent chez les parents. Ça veut dire quoi? Pas mal de Congolais n'ont jamais eu à travailler en RDC durant toute leur vie. Et ils ont beaucoup de diplômes. Des diplômes qui sont dans des tiroirs. Parce qu'on l'a fait de vous des esclaves. On l'a fait de vous des êtres sans valeur. On l'a fait de vous des êtres qui doivent accepter la tricherie. Refuser la tricherie. Souvenez-vous des élections qu'il y a eu en RDC. Élection 2006, tricherie. Élection 2011, tricherie. Élection 2018, tricherie. Peuple congolais, allez-vous continuer à accepter l'inacceptable? Allez-vous continuer à accepter des gens qui ne sont pas là pour le bien du peuple? Des gens qui ne sont pas là pour faire quelque chose pour le Congo, mais des gens qui sont là pour remplir leur poche, des gens qui sont là pour faire ce qu'on appelle le système des biens mal acquis. La RDC est sous occupation rwandaise, sous occupation ougandaise, sous occupation burundaise. La RDC est sous occupation des Occidentaux, des vautours. La RDC est sous occupation de pas mal de vendus. Donnez-moi un instant. La RDC est sous occupation des Occidentaux, voleurs des minerais. La RDC est sous occupation des Chinois. Les Chinois volent vos minerais. Il y a des Chinois qui a été arrêté à Kinshasa pour trafic d'or. Peuple congolais, la RDC n'est pas un pays pauvre, mais un pays immensément riche. Mais quand on a rendu le peuple congolais de la RDC plus pauvre que pauvre. L'eau potable, on refuse au peuple congolais. L'électricité, on refuse au peuple congolais. Ce n'est pas tous les Congolais qui ont accès à l'électricité. Mais c'est quoi? Et le Congo, RDC, il y a immensément l'uranium. C'est l'un des pays en Afrique qui égorge immensément des minéraux. Et ces minéraux-là devraient en profiter à la population. Mais la population n'en rien. La population souffre. On a fait des femmes congolaises du Congo RDC. Armes de guerre. Des viols. Fémicides. Des atrocités terribles. Les Rwandais découpent avec des machettes le bras des femmes ou la main
Est-ce que c'est normal? Les Rwandais utilisent des enfants pour aller dans des mines du coltan, du cobalt, du tantale. Les enfants sont des esclaves au Congo RDC. Ils n'ont pas droit à l'éducation nationale. Dans toute la rue des ruelles de Kinshasa, il y a des enfants de la rue. Des enfants de la rue. Et parmi ces enfants, il y en a qui font la prostitution. Enfants de 8 ans, 9 ans, il y a des reportages que des Congolais ont fait en RDC. J'ai 8 ans, je vends mon corps et des adultes viennent. Peuple congolais, on a fait de ce peuple de Dieu des peuples zéro. Et je disais, on a fait de ce peuple des peuples sans valeur.